C'était la journée mondiale du cœur, le 29 septembre 2018. À Rouen, l'équipe de cardiologie du CHU a transformé la place de la cathédrale en village de sensibilisation aux maladies cardiaques et plus particulièrement des souffles au cœur. Le souffle au cœur, c'est un son anormal à l'auscultation avec un stéthoscope et on peut reconnaître la valve qui est atteinte et de quelle façon elle est atteinte, si elle est rétrécie ou si elle est fuyante. Mais ensuite, ça nécessite un examen plus précis tel qu'une échographie pour vraiment préciser la sévérité et le retentissement sur le cœur et éventuellement quel traitement il faut adopter. Plus de 250 personnes ont bénéficié d'un dépistage gratuit par des spécialistes. Des mini-conférences étaient proposées au public tout au long de l'après-midi, ainsi qu'une exposition et des ateliers pédagogiques pour les enfants. En fait, regarde, là tu as ton cœur, et là ici, tu as vu, tu as une valve. Et c'est la valve qui envoie tout le sang ici, dans le gros tuyau. Rappelons que le CHU de Rouen est pionnier dans la prise en charge thérapeutique des maladies des valves.